We're on. Oh, mais on Why? live, mais on enregistre. Bonjour. Bonsoir. Bon, je vous rejoins sur ça sera mieux. Ok, ça roule. À tout de suite. Ça marche. Disconnect and reconnect with another a laptop. So tonight, so I'm gonna mute people, okay? Because too much noise. So tonight we're talking about how can we be peaceful, joyful in these crazy times. Donc ce soir on parle de comment on peut rester comme ça en paix, totalement paisible, en paix et joyeux dans ces temps et ces moments complètement dingues de tout ce qui se passe en ce moment en France et partout ailleurs. So we have few French people. Donc on a quelques Français and Germans from Austria, from Hungary, from and I don't know where. Et donc on a ce soir du monde de France, mais aussi d'Allemagne, d'Autriche, de Hongrie. Donc ça va être très intéressant comme discussion. So we even have La Réunion la with réunion. Gibbs. Oh, Yeah. I don't see everybody. Je vois pas tout le monde. Because when I'm Yeah. translating, I have to focus on you. Because if I see everybody, you see? Sorry. I know that one too. Yeah. Je le sais aussi. En fait, je vois pas tout. Je vois pas qui est là. Tout le monde. Parce que je prends que celui qui parle. Ça me permet d'être plus connectée. Et c'est plus facile pour la traduction parce que si je vous vois tous, mon corps se connecte à vous tous et ça devient, c'est un peu plus compliqué pour moi en Zoom. Alors, juste dire bonsoir. Bonjour Yves. So I just want to say hi. Cool. So, so how do we? So we talk about, we talk, if they have questions, please ask questions. Donc, on va parler. S'il vous plaît, si vous avez des questions, posez-les. Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de mauvaises questions. Posez-les, s'il vous plaît. So. I guess part of it is actually being willing to see it as nothing that's crazy. Pour moi, une partie, une part de ça, c'est aussi déjà de regarder comme si ce n'était pas dingue, en fait. You know, we every time something changes in our universe, we go crazy and we think, ah, this is such just crazy. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des choses qui changent comme ça dans notre univers, on devient dingue, ça devient, on devient dingue, qu'est-ce qui se passe, blablabla, et ça nous rend dingue. Mais c'est pas ça. What would happen if we were willing to go, wow, so things are changing? Donc, qu'est-ce qui se passerait si on allait dans cet espace de, ok, merci pour les changements, pour ce changement. What am I aware of? De quoi suis-je conscient ici? What is that? Qu'est-ce que c'est que ça? And what can I do to be ready for when things settle? What can I be? To be ready. What can I do to be ready when things calm down or change? Et qu'est-ce que je peux faire et être pour être prêt quand les choses changent et avec ces changements? You know, by saying everything's really stupid and crazy, we actually come to conclusions. Donc vous savez, quand on dit que des choses sont stupides ou dingues ou toutes ces choses-là, on va dans des conclusions, on crée des conclusions. And you see, when you function from conclusions, there's savez, no possibility. Quand vous fonctionnez à partir des conclusions, il n'y a pas de possibilité. Of creating change. Il n'y a pas de possibilité de créer du changement. And I don't mean change outside of us. Et je ne veux pas dire les changements autour de nous, en dehors de nous. I mean changing how we are and how we respond and how we think and feel. Je veux dire changer la façon dont on est, la façon dont on réagit, dont on répond à ça et comment on se sent par rapport à tout ça. You know, we can look at the glass. Is it half full or half empty?
on peut regarder, vous savez, les verres. Un verre, on peut le voir à moitié vide ou à moitié plein. Technically, it's always full. Mais c'est toujours plein, en fait. Ou vide ou we plein. Just forget that it's full of air as well. On oublie juste de regarder jusqu'à où c'est plein. Okay, so that this is the way we looking at that. Yeah. Donc ça, c'est vraiment la façon de regarder ça. Most of people, la plupart des gens, when they ask about this Zoom, it was they can feel everything around them. C'est les gens qui ont demandé ce Zoom, c'est aussi ils peuvent tout sentir autour d'eux. The fear, the anger and everything around. Ils peuvent tout sentir, la peur, la colère et tout ce qui se passe autour. Even bodies. Et aussi les corps. So, how do we deal with that and be peaceful with that? Donc, comment on deal avec ça et on reste en paix et tranquille avec ça? Ok, bye. If I cannot ask questions, just tell me. Si je ne peux pas poser de questions, dis-moi. Well, really, I mean, how do you work around functioning from greater awareness? Can you repeat, please? How do you function? Comment tu fonctionnes? Around having greater awareness. Pour avoir et en ayant une plus grande conscience. You have to focus. Yeah. Yeah. Tu dois. So where is your focus? Donc où est ton attention? Où est-ce que tu portes ton attention? While you're always looking for the struggle, while you're always looking for the anger and the battle. Donc est-ce que tu es toujours en train de regarder les luttes, la colère, les bagarres, les batailles? That's all you see. C'est tout ce que tu vois si tu regardes que ça. Well, what happened? I mean, it's like people that get grumpy because we have to wear these stupid masks. Je vois des gens qui sont ronchons comme ça, qui deviennent ronchons parce qu'on doit porter ce masque stupide. What would happen if we just change that perception and go, okay, I have to wear the mask. So how can I make this fun for me? Donc ici, qu'est-ce qui se passerait si on changeait notre perception et la façon dont on regardait ça? Et ok, et qu'on posait la question, comment je peux porter ce masque? Comment je pourrais avoir du fun à porter ce masque? Je dois le porter, donc comment je peux avoir du fun avec ça? So when I wear a mask, it makes me sleepy. Donc moi, quand je porte le masque, ça me rend endormi. Ça m'endort. So flying from Cologne, it was really hard to stay awake. Donc le vol de Cologne, ça a vraiment été difficile de rester réveillé. It's so easy to just sit down with the mask on and go. C'est tellement facile pour moi. Je m'assieds, je porte le masque et puis je m'endors. Non, faut pas que je m'endorme. When I'm on the train coming back from Budapest, where it's really hard to stay awake on the train. Quand je suis rentrée en train de Budapest, c'est pareil, c'était super difficile de prendre. So I had to make it a game to do other things. I had to distract myself. I had to look at what else is possible. Donc il a fallu que je me crée des jeux, que je crée quelque chose pour me distraire, pour m'occuper, et que je pose la question, okay, quoi d'autre est possible que de dormir? I mean, I even do that in the supermarket. Si je fais ça aussi dans le supermarché. I make it a game to catch somebody's eyes and smile at them just with my eyes and see what they do. Et comme ça, quand je vais dans le supermarché, je m'amuse à regarder les gens dans les yeux, à leur dire hey, salut, et puis voir comment ils me répondent et voir ce qui se passe. It's really interesting to watch how many people still have fear in their whole demeanor. C'est vraiment intéressant de voir les gens, la peur en fait, que les gens ont avec moi, ce vieux monsieur. So, for me, part of the game. Donc pour moi, une partie du jeu. It's actually just be that bubble of joy that people can tap into. C'est une partie du jeu pour moi, c'est d'être cette bulle de joie en fait, dans laquelle les gens peuvent venir taper énergétiquement, peuvent venir se connecter. What would it take for us to
stop looking for the fight and the argument and the pain and the suffering. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on arrête de regarder justement les bagarres, de porter notre attention là-dessus, ces bagarres, c'est la douleur, la souffrance, la peur, etc. And choose to transmit joy and gratitude. Et de regarder et de choisir de transformer tout ça et d'être la joie et la gratitude. And then just watch how that changes the people around us. Et juste regarder les changements des gens autour de nous en étant ça. Being with being that. Yeah. Yeah, en étant ça. Yeah. It really does change your day. Ça vraiment ça change ta journée. Hein. I mean, I could sit at home and feel miserable because everyone in the village, I mean, we got people that pass a bucket out a window down the street, two, three houses down. There's a lady on the first floor. She doesn't come through the front door. She has a rope and a bucket. People put the groceries in the bucket and she pulls it up. She has contact with no one. In your village? Il nous attend, ok. Tu peux regarder, voilà, il y a quelqu'un, par exemple, une femme qui ne sort pas, qui ne veut pas aller faire les courses, etc. Elle est au premier étage et elle se met au premier étage, elle se fait livrer ses courses et elle remonte ses courses comme ça, avec une corde, jusque dans son appartement. So, you know, This is the fear they say. So what would it take to just be that little bubble of joy that goes and pops? Ça c'est juste de la peur. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit cette bulle de joie et qui comme ça qui pop partout en fait et dans lesquelles les gens peuvent venir effectivement puiser et se connecter. By doing that, you're not focusing on other people's pain and thoughts and beliefs. Vous savez, de faire ça, d'être cette bulle de joie comme ça, ça change vraiment votre focus. Vous portez plus autant d'attention sur la douleur, la peur et toutes ces choses-là autour de vous, en fait. So, Josephine asked a comment. Yeah. So, Josephine, sometimes we don't really know if it's ours, if it's mine, or if it's other. And I find it's really interesting to see people eyes and to look people in eyes and the beautiful eyes that they have. Yeah. And this really is interesting because most of them, as they cannot escape. Yeah. They have to look at you. Et c'est super marrant parce que moi, je joue, and I'm playing with that a lot. I play a lot with that. Parce que justement, avec le masque, les gens ne peuvent pas s'échapper, donc ils sont obligés de te regarder dans les yeux. Et c'est très rigolo. Moi, j'aime bien jouer avec ça, c'est très rigolo. So, you know, for me, I mean, I could really get caught up in the pain of everybody else and the suffering of everybody else, but what's the point? Vous savez, c'est facile. Je pourrais aussi, moi aussi, c'est facile d'aller dans la douleur des gens, dans leur peur, dans tous leurs univers. Mais c'est quoi le truc? You're all on a journey to gain more awareness. On est tous sur dans un voyage, sur un voyage pour avoir plus de conscience. You're all on a journey where you want to grow and become more aware spiritually and consciously. Vous êtes tous sur un voyage quand vous cherchez à grandir, à être plus spirituel, plus conscient, etc. Well, that awareness is kind of a two-edged sword. Two-edged sword. Yeah. What is sword? Sword, you know, the knights in shiny armor, the sword, the blade, knife. Ah oui, oh yes. Mais vous savez, cette conscience, c'est à double tranchant. It cuts both ways. You become aware of the good and the bad, the pretty and the ugly. Et vous devenez conscient à la fois du bien, mais aussi du mauvais, du beau, mais aussi du moche, de tout. Donc, parfois, ça peut être un peu tranchant. But it's up to you what you choose to focus on.
Mais c'est à vous de choisir et de voir sur quoi vous voulez porter votre attention. Really? Vraiment. So we can choose to be trapped in everybody else's sadness. Donc on peut choisir de se retrouver coincé et d'être enfermé dans la tristesse de tout le monde, de tous les autres, des autres. Or we can ask our bodies to focus on the joy and gratitude and just look for it and be it. Ou on peut demander à notre corps de nous montrer, de porter son attention sur la joie, sur la gratitude et de porter son attention là-dessus. What's Eve's written? Yes, I try to guess the smile and to imagine the smile responding to mine. Yeah, always. And they can't hide it because their eyes still smile. Ouais, toujours. Et ils peuvent pas se cacher parce que les yeux sourient en fait, vraiment. So yeah, and this is all part of the, you know, make it a game, make it something so that's joyful. And faites-en un jeu, faites-en quelque chose qui est joyeux. It really becomes, for me, it's, I don't count them, count, but it's always fun to see how many people I can make smile in a day. Moi, je compte pas, hein, mais c'est vraiment intéressant de voir combien de gens vous sourient, répondent à votre sourire chaque jour. How else can we stay joyful? How else can we stay out of the quagmire, the bog of everybody else's craziness? De quelle autre manière est-ce qu'on peut être joyeux? Est-ce qu'on peut avoir du fun? Est-ce qu'on peut être justement pas en dehors, mais pas affecté? It's not be affected. This is yeah. De pas être affecté par tous les univers des autres. It I really... live in Paris. Oh my God. Oh yes, fucking good. Mm. Yeah. Sophie lives in Budapest. Wow. Yeah. Donc je vis the à happy cities. Mm. Yeah, really. And in France, crazy times. They close restaurants, blah blah blah, everything. Everybody's going crazy in France. Donc en France, ils sont en train de fermer les bars, les restaurants. Enfin, tout le monde est en train de devenir dingue. And in France, our libre, we are free. So, en France, on est libre. Donc, on a du mal avec ça. And each time I have to go out, à chaque fois que je dois sortir, I take 1-2 minutes, je prends 1 ou 2 minutes to create my space, to be in my space. Je crée vraiment, voilà, 1 minute ou 2 pour être mon espace, cet espace, and to push the volume up. Et pour vraiment monter l'espace de ça et le volume de ça. So, can you explain a little bit how you can create that space for you? Everywhere. Everywhere. Well, it starts with you. Every time, everywhere. Mm-hmm. And it really, for me, it starts when you're going to sleep at night. Pour moi, ça commence. Donc, je lui demande de nous expliquer comment créer cet espace pour nous et monter le volume. Il dit, ça commence le soir quand tu vas te coucher. What are your last thoughts? C'est quoi votre dernière pensée? What are the things you think about as you're going to sleep? À quoi est-ce que vous êtes en train de penser quand vous allez dormir? And you're thinking about the things that you've done wrong and the things that you've fucked up during the day? Est-ce que vous pensez aux choses vous donnez tort, les choses que vous avez mal faites, les choses qui vous ont voilà, qui vous ont agacé, qui vous ont emmerdé pardon, toute la dans la journée? Or do you go to sleep with thinking about the things that you're grateful for, the things you achieved and accomplished? Ou est-ce que vous allez regarder et vous penser à toutes ces choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant, les choses que vous avez accomplies, ce que vous avez reçues, etc. Toutes ces choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Because what you go to sleep thinking about sets the tone for the day you wake up in. Parce que les choses auxquelles vous pensez quand vous êtes en train de vous endormir, c'est ce qui va créer la journée quand vous allez vous réveiller le lendemain. Ça va créer cet espace, l'énergie du lendemain. So if you can go to sleep thinking about all the things you're grateful for. Donc si vous pouvez aller dormir et vous endormir en pensant à toutes ces choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
In the morning, you wake up with the sense of gratitude. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez avec ce sens, cette sensation, ce sentiment de gratitude. And with that, then you're able to be in that space more. Et avec ça, vous, à faire ça, à pratiquer ça, vous allez avoir cet espace-là de plus en plus. And it's like, it takes practice. Donc ça demande un peu d'entraînement. But as you practice it, it becomes easier and easier. Mais plus vous le pratiquez, plus ça devient facile. So that even when something comes along that makes you upset. Mais, et même les jours où comme ça, il y a des trucs qui vous ont contrarié, vraiment contrarié. You can recreate that bubble really quickly. Vous pouvez recréer cette bulle vraiment, vraiment très rapidement. And you're just being that space. Et juste être cet espace. And it's amazing because when you're in that space, you find that things upset you less. Et ce qui est dingue, c'est que quand vous êtes vraiment dans cet espace, finalement, les choses qui vous contrariaient sont pas rien, pas grand-chose en fait. Les choses even the people, even when people upset you, it's like, okay, yes, I'm upset. Okay, I'm over it. Même les gens qui vous ont contrarié, qui vous ont agacé, vous regardez ça, bah ouais, ok, je suis agacé, c'est ok. When you talk about gratitude, quand tu parles de gratitude, it's not just, so okay, thank you, I have that. Thank you for that, thank you for that. C'est pas juste, ok, merci pour ça, merci pour ça. Those are just words, they're just blah, blah, blah. Ça, le merci pour ça, merci pour ça. C'est juste des mots, c'est juste du blabla, des conneries, du blabla en fait. Have you ever watched a child playing and they're playing with something and there's that sense of wonder in their eyes? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant jouer avec vraiment ce sentiment et cette sensation de of sense wonder. Of wow of, d'émerveillement comme ça dans les yeux, dans tout son être. So what would happen if as you're thinking about these things you're grateful for, you go, wow, I accomplished it. Wow, wow. That's cool. I did qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez aller dans cet espace, voilà cet émerveillement et cet espace-là de gratitude, de wow. Because when you do that, you're not only thinking it, you're parce feeling que quand vous faites ça, vous ne faites pas simplement le penser, y penser. Vous le sentez, vous le ressentez dans votre corps. So you start to store that feeling in the body. You start to charge the body with that feeling of gratitude. Et donc vous commencez vraiment à sentir et le corps sent cette gratitude et vous commencez à charger et recharger le corps avec cette gratitude. And the body really loves this space and this energy. Absolute. Et le corps vraiment adore cet espace et cette énergie de gratitude absolue. That's what heals really your body. Nurturing. Hey. It's what heals your body. Comment ça dit encore mieux que ça? Oh, Felicity. Hello. Ah, sorry. Yeah, sorry. I don't know what's going on. Many, many Wi-Fi internet issues these days. On a beaucoup, yes. beaucoup de soucis et là-bas aussi, a priori. Donc, désolé, ça a coupé. So, did I miss something? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? No. No. So, yeah, and really, it's just this. That's the way to just really enjoy these changes that are coming, the ones that have been. C'est vraiment apprécier et avoir vraiment être en joie avec ces changements qui se produisent. Even if we don't know what will create, will be created, même si on ne sait pas ce que ça va créer. When you look at a child and they're going, wow, this is amazing. Wow. Quand vous regardez un enfant qui dit comme ça, oh, c'est fabuleux, oh, c'est génial. So what would happen if we're looking at these changes that are going on, going, wow, I wonder what this is going to create.
Wow. Et qu'est-ce qui se passerait si on regardait justement tous ces changements et tout ce qui se passe avec cet espace-là d'émerveillement et de waouh, je me demande ce que ça va créer. What happens then? What happens to your body? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe avec ton corps? Quand tu See, es dans when you come, tu dis when you ça. come from that space, there's no fear. Quand tu arrives comme ça et que tu fonctionnes à partir de cet espace, il n'y a pas de peur. Ok. There's no contraction. Il n'y a pas de contraction. Except. This is in my mind since 1 or 2 minutes. Il y a un truc dans ma tête. Maybe can we talk about vulnerability? Because you cannot What? Really What? Putting our barriers down. And oh, okay. With everything. Because yep. When you put your barriers, create separations, and so it's not easy to deal with. Je voudrais qu'on parle de la vulnérabilité et d'avoir toutes ces barrières baissées, parce qu'effectivement, être dans cette gratitude et cet espace-là, c'est génial. Mais si tu as tes barrières démontées, ça crée de la séparation et du coup, ça ne fonctionne pas bien. Mais see, this is what I mean. When you watch a child play, there are no barriers. There is no walls. C'est ce que there je veux dire. Quand tu regardes cet enfant jouer totalement émerveillé, totalement super joyeux, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière. Lui, il n'en a pas. The mind is expanding outwards, looking at all the possibilities and all the glory of what's there. Son esprit s'expanse, il n'y a pas de barrière. Il cherche qu'est-ce qui est possible, où je peux encore avoir plus de fun, comment je peux jouer encore plus. Il n'y a pas du tout de barrière avec cet enfant. Children are able to see so many more possibilities because they don't have those walls. Et les enfants cherchent toujours les autres possibilités parce que justement, dans leur esprit, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur. So when we're able to go, wow, donc quand what on else is there? Dans ce wow, quoi d'autre est ici? Feel that energy of it. Sentez l'énergie de ça. It's expansive. It opens you up. There are no barriers. There are no walls. C'est expansif. Ça vous ouvre. Ça ouvre tout. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de mur. But if you go, oh my God, what else is possible now? Mais si vous allez, oh mon Dieu, quoi d'autre est possible? Everything comes, boom. Tout d'un seul coup, boom. So, most of people try to protect themselves. These energies. Mais la plupart des gens cherchent à se protéger de toutes ces énergies et tout ça. But does it work? Mais ça ne marche does pas. Does it actually protect us? Ça vous protège pas du tout. Ça nous protège pas. Or does it actually make you more vulnerable? Est-ce que ça vous protège ou est-ce que ça vous rend encore plus vulnérable? Mais vulnérable dans le sens fragile. More vulnerable to manipulation and control. Plus vulnérable à la manipulation et au contrôle. Because while you're putting all these walls and barriers up, you shut your awareness down. Parce que quand vous montez ces murs et ces barrières et que vous créez cette séparation, vous éteignez votre conscience. You can't receive. Vous pouvez pas recevoir. And it's really hard to give. It's really hard to. To give because everything's so limited. Et c'est vraiment difficile de donner parce que tout est limité par tous ces murs et ces barrières. Really, it really comes back to choice. Et vraiment, on en revient toujours au choix. À choisir. Oh, what do you choose? Qu'est-ce que vous choisissez? You can choose to constantly be in the wrongness of you. Vous pouvez choisir wrongness of the world. Tout être constamment dans le tort de vous-même, dans le tort du monde, dans toutes ces choses-là, tout ce qui ne va pas. Or you can choose to be looking at the wonder of change and the magic of creation. Ou vous pouvez choisir d'être dans l'émerveillement, la joie et la curiosité de quel changement est possible. Yeah, curiosity. What is that? Qu'est-ce que c'est que ça?
What can I do now? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? What can I be? Who am I? We will do Zoom. No. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux être? Qui suis-je? On va faire un zoom là-dessus. Non, il n'est pas d'accord. So, Josephine's asked something again, or... Non. No. Oh, I don't see. Yeah, after Felicity. Oh, yeah, sorry. Batman! I read and I translate. So, she explained that this afternoon, she and I don't know who, maybe a friend or I don't know, maybe a lover, I don't know. A friend, a we good were friend. In this wonder space, they were looking and watching a bird, a beautiful bird. I don't know the name in English of this bird. This bird was close to them. And tonight, I will tape into that before going to sleep because it was a beautiful gift to see this beauty. Yeah, all this thing. C'est vraiment toutes ces choses. Because most of people don't see all the gifts they have and they receive. Parce que la plupart des gens ne voient pas tous les cadeaux qu'ils reçoivent. They always focus on the big things. Ils focus toujours sur les grandes choses. Mais toutes les petites choses, c'est des cadeaux magnifiques. So all these little things are beautiful gifts. And Absolutely. We can be grateful for that too. Et on peut vraiment être For me, a bird sitting close to me is a big thing. Pour moi, un oiseau, yes, for me too, qui se pose à côté de moi, c'est vraiment un cadeau magnifique et énorme pour moi. Just hearing you know, that. Juste les entendre. When you can live your life from that space of wonder, you see things that everybody around you misses. Quand vous pouvez... Et vous parvenez à vivre comme ça votre vie à partir de cet émerveillement. Vous voyez tellement, tellement de choses que les autres ne voient pas. You notice things. Vous remarquez les choses. Claudia wants to talk. For me, what really helps... For me, what really helps is having at least one friend who you can be really childish with and make a lot of silly jokes. Donc pour moi, ce qui m'aide vraiment, c'est d'avoir un ami ou une amie avec qui je peux avoir vraiment cet espace d'enfant, de faire des conneries d'enfant et des jeux d'enfant. You don't need to have friends for that. T'as pas besoin de... Yeah, that's true. I can do that. By my own, alone in my apartment. Tu peux être comme ça toute seule à la maison. Je fais ça toute seule. For me, it's more fun with a sparing partner. Yeah. Pour moi, c'est plus marrant quand on a quelqu'un pour jouer quand même, un partenaire pour jouer. Yes. Some of us are lucky we have two or three of those already here. Yeah, certain, certain, yes. So, certains d'entre nous, on a de la chance, on a deux ou trois voix comme ça dans nos têtes qui nous aident à jouer autour. And it's all of these things, you know, it's... C'est toutes ces choses-là, vous savez. When you're willing to take your focus away from what's wrong, donc, quand vous pouvez porter votre attention loin de ce qui est mal, mauvais, de ce qui ne va pas, what we don't like, de ce que, what we don't want, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on ne veut pas, and then put it onto the things that we see that we enjoy, et porter cette attention sur ce qu'on voit et qui nous donne de la joie, the, and hear and feel and all of those things.
Your life becomes joyful. Entendre, ressentir toutes ces choses-là, vous, votre vie va devenir beaucoup plus joyeuse. It really, truly becomes magical. Et vraiment, ça devient vraiment magique. I was walking down a city street one night in Szeged. Je marchais un soir dans une ville, Zagreb, je ne sais pas quoi. Yeah, not Zagreb, Szeged, which is a different country. C'est quelque part ailleurs. I have a very good nose, so it picks up all sorts of perfumes and scents. J'ai un bon nez. Donc je sentais, pourtant j'étais en ville, je sentais toutes les senteurs, tous les parfums, toutes les odeurs. And I was walking down this avenue with big trees. Et je marchais dans cette avenue où il y avait des grands arbres. And my feet barely touched the ground because the beautiful scent of these linden flowers was phenomenal. Your feet? Barely touched the ground. I was almost floating because of the smell. C'est comme si mes pieds flottaient en fait avec toutes ces odeurs de fleurs et toutes ces odeurs comme ça. C'est comme si quand je marchais, mes pieds flottaient en fait. And there were people all around me that didn't even stop and notice. Et les gens qui étaient autour de moi, aucun d'entre eux ne s'est arrêté ou n'a remarqué quoi que ce soit dans les odeurs, dans rien en fait, n'a rien vu, rien senti. They missed out on a beautiful treat, you know. Et c'était, a gift. C'était pour moi, ces arbres magnifiques, c'était un vrai cadeau. Cette rue-là était un vrai cadeau. These are the things that really fill my whole universe with gratitude and joy. Toutes ces choses-là, I've lost my French. Oh fuck. J'ai perdu mon français. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui alimentent et pour lesquelles je suis reconnaissant, qui alimentent cette gratitude. Toutes ces petites choses comme ça tous les jours. You know, he puts posts every now and then of where he's diving somewhere and he's taking photographs of fish on a reef. Et Yves régulièrement nous met des photos comme ça et des images de ses aventures, de quand il se promène, quand il va, voilà, et de tes plongées aussi, quand il va faire plein de choses. Et c'est juste magnifique. You know, these are the things that bring him joy. Toutes ces choses-là donnent de la joie. He's diving. Toutes ces choses-là lui donnent de la joie. One day I have to come there to have a play. Un jour, il va falloir que je vienne vers toi, Yves, et qu'on s'amuse. But this, you know, we and bring Claudia with you. Donc il m'a dit, amène Claudia avec nous. Et moi non, and me not. Et moi non. Bien sûr que si. T'as eu chaud. I think somebody has a sweet spot for Claudia. No, it's just because Claudia needs a friend to make silly jokes. Non, c'est juste parce que c'est juste parce que Claudia a besoin d'un ami pour faire des bêtises. Des blagues bêtes et des bêtises d'enfants. Donc, avez-vous des questions? So, do you have questions? Any thoughts? What works for you? Qu'est-ce qui marche pour vous? Sophie? Oui? Je peux raconter la mésaventure qui m'est arrivée? Mésaventure, bien sûr. Oui, mais tu verras que c'est cool. Ouais. Alors, il y a quelques temps en arrière, entre vendredi et samedi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On est venu abîmer ma voiture devant chez moi. Attends, je traduis. So, between Friday and Saturday,
an amazing thing happened. Somebody broke my car. Oh! Ouais. Did my car. Donc, j'ai quand même bien dormi. J'ai entendu les gens qui manœuvraient, mais je ne me suis pas levée. So, I was sleeping. I heard something, but I kept sleeping. Et le samedi à 10h, je reçois un appel d'un ami. Vas-y, vas-y. Ouais, qui m'appelle en me demandant comment allait ma voiture. And on Saturday evening, at 10, a friend called me. How is your car? Et moi, je lui dis, elle va très bien. I answered, well, I think she's great. Et il a insisté parce que j'avais mon voisin qui avait vu ma voiture à 6h du matin. Est-ce qu'elle était... Et moi, je me disais, il n'est pas bien celui-là. And he kept asking, how is your car? Because the neighbor told him that the car was broken. But she said, no, no, all is good. Et du coup, j'ai dit, bon, ben, je vais aller voir. So I said, okay, I go and have a look. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit, ah, oh, ouais, en effet, avec une joie, j'ai dit, wow. And when I opened the door, I saw the car. Oh, yes, yes, it's broken, yes. But really, not in drama, but really with a lot of joy. Oui, mais j'avais pas de colère. J'avais rien. Ouais. No anger. Rien. J'avais même pas de haine contre qui que ce soit. Et puis j'ai dit, eh ben ouais, c'est ça. Et ben je le prends. I was not angry at all. I just say, OK, this is like that. OK, it's cool. Quoi d'autre est possible, hein? Voilà. It's possible. Et du coup, je suis oh. sans voiture. And so now, I don't have a car anymore. Oh. Voilà un petit peu, mais dans la joie, je l'ai pris sans colère, sans rien. Et c'était But très fun, c'était vraiment très spacieux. Willie, I received that with no anger at all, and really with space and joy, and nothing's wrong. That space. Yeah. And then what happens is you start to create from that space something new. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à créer à partir de cet espace quelque chose de nouveau. That's really cool, Felicity. C'est vraiment cool, Félicité. Oui, oui, mais ma voisine, elle ne dort pas, mais moi, j'ai bien dormi, je vais te dire. So, my neighbor didn't sleep anymore, but I sleep really, really good. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Really cool. Des pensées, des sentiments, des remarques, des questions? No. Oh, uh-oh. Melanie's reaching for a keyboard. Melanie a touché le clavier. He's right. He knows you. I know. Very face. Sometimes, but only sometimes. Most of the time, I'm fine with that. Your face when you're going to say something or ask something. Elle dit, il te connaît, il sait à quel moment, avec ton visage, tu vas poser une question ou dire quelque chose. So, it's again the C word, right? The? Yeah. C word, word. Yeah, yeah. Word the with word. The C in front. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. Thank you, Gloria, for translating okay. for Sophie. C word, okay, choice. Donc, c'est toujours à propos du choix. And how can people start with choosing more ease for them? Comment et où les gens peuvent commencer à choisir
plus pour eux. Because sometimes it's easier for the others to not to hear every time the same from my side. You know what I mean? Parce que parfois c'est plus facile pour les autres et de faire ça et de proposer ça aux autres que de l'être et de le faire pour soi-même. I guess you really have to wonder. Sorry, because I was reading the comments. Sorry. Oh, you really have to want it. You can't choose anything if you don't want it. Tu dois vraiment le vouloir. Tu peux pas rien faire si tu ne le veux pas vraiment. So if you don't want ease. Donc si tu veux pas vraiment de l'aisance. No matter what you tell everybody else, you won't choose it. Peu importe ce que tu vas dire aux autres, tu ne le choisiras pas. Et ce que les autres vont te dire, tu ne le choisiras pas. You know, if you really don't want a relationship with somebody, no matter what you tell, si tu veux vraiment pas d'une relation avec quelqu'un, peu importe ce que tu te dis et ce que tu fais, you won't create it. Tu ne vas pas la créer. It's all of these things. So until you want ease with the world around you, until you really want it, c'est toutes ces choses-là. Si vous vraiment vous voulez vraiment avoir de l'aisance avec tout ce qu'il y a autour de vous et que vous le voulez vraiment, you won't do anything about it, let alone choose something. Yeah, sorry. I miss you. I look at you. So if you don't want it, you won't do anything about creating peace or ease. Si tu ne le veux pas vraiment, sorry because there's many thoughts around. Yeah. Si tu ne le veux pas vraiment, so I will ask a question after. Si tu ne veux pas vraiment, tu pourras faire n'importe quoi pour avoir de l'aisance. Ça n'arrivera pas parce que tu ne le veux pas vraiment. So really, we only choose things because that's what we desire. Et vraiment, choisir quelque chose, c'est vraiment à propos de choisir quelque chose parce qu'on désire vraiment. Okay, so, but I can feel and listen many things in my head. J'entends plein de choses là dans les têtes. How do we know that? Because we say, I want, I want, I want, but there is something in us that doesn't want, okay? Donc, yeah. On dit qu'on veut, on veut, mais on n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'il y a des choses en nous qui ne veulent pas? Because most of people say, yes, I want it. Oui, je le veux. And if you really desire it, and you have to take the first step towards that desire. Et si tu veux désirer vraiment quelque chose, tu dois vraiment faire ce premier pas vers ce désir. And to quote Paulo Coelho, the universe conspires with you to achieve it. Pour citer Paulo Coelho, quand tu as fait ce premier pas vers tes désirs, l'univers entier conspire pour toi pour réaliser ce rêve. You know, it's the Bible says, as a man thinks, so is he. La Bible dit, the Bible says. As a person thinks. Quand une personne pense. Ah, comme so elle pense. Comme, so comme are tu, they. Comme, c'est comme ça, en fait. Alors, je ne sais plus comment ça se dit dans la Bible en français. So So if you really desire it, you will unconsciously create everything you can to create what it is you really want. Donc, si tu désires vraiment quelque chose, inconsciemment, tu vas créer, tu vas le créer, tu vas créer, faire ce qu'il faut pour ce que tu désires et ce que tu veux. I had a friend in New Zealand. And she kept saying, I want to come to your classes, I want to come to your classes. J'avais un he or she. She. J'avais une amie en Nouvelle-Zélande. Mais je suis en Zoom. Hello, Lord. Craig te dit bonjour. J'avais une amie en Nouvelle-Zélande. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait venir à ma classe. Oh là là, je veux vraiment venir à ta classe. Je veux vraiment venir à une de tes classes. But she said, but I never have any money. Mais j'ai jamais assez d'argent. But every night she would drink a $35 bottle of wine.
Mais tous les soirs, elle buvait pour 30, 35 Five, dollars. yeah. 35 Dollar dollars bottle of wine, yeah. de I bouteilles said, de you vin tous know, les soirs. if you just drank two less bottles of wine a week. Je dis, tu sais, si tu bois simplement deux bouteilles de moins par semaine. In 5 weeks, you'd be able to come to my class. En 5 semaines, tu pourras venir à ma classe. Oh, I don't want it that much. She would rather her wine than to come to class. She? Sorry, because... Would rather drink her wine than come to class. Et au lieu de boire du vin, bah, viens à la classe. Wished. I don't care. C'est But ton this choix. Is what I mean. Mais c'est ce que je veux dire. I mean, Carolyn, she had problems walking. Je veux dire, Caroline, elle a des problèmes pour marcher. Elle a des difficultés pour marcher. She had problems with pain. Elle a vraiment des gros soucis de douleur. Des grosses douleurs. She decided she was coming to a Hakka class in Totsenbach. Elle a décidé, et elle a vraiment choisi et décidé qu'elle viendrait à une classe de Hakka à Totsenbach, donc chez Greg. And she did. Et elle l'a fait. You know, she really wanted it. Elle le voulait vraiment. And there are lots of people that say, oh, I want to come, but I'm not feeling very well. Il y a tellement de gens qui disent, oh, je voudrais bien venir, mais oh, je me sens pas très bien. And it's so, you know, it's like what you really want. Et c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? What is it you really desire? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Do you desire to live your life in hardship and misery, or do you want to have joy and gratitude in your life? Est-ce que vous voulez vivre votre vie vraiment basée sur la misère, la misère et toutes ces choses-là, ou est-ce que vous voulez vraiment avoir de la joie et du fun dans votre vie? So, you mean, do you mean, because it's the subject of the Zoom, parce que c'est le sujet du Zoom. So, if we keep focusing on the sadness and blah, 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 it's because we want it. Donc, ça veut dire, si je suis bien ce que tu dis, pour en revenir au sujet du Zoom, si on porte notre attention tout le temps sur la tristesse, tout ce qui ne va pas, les peurs, etc., c'est parce que c'est ce qu'on veut. We don't really want joy. On ne veut pas vraiment. Because we need to save the people. Parce qu'on doit sauver les gens. For example. Et qu'on ne veut vraiment pas, on ne veut pas lâcher ça. We don't want to let that go. Yeah. Any friends? Oh, resistance. Yeah. People in France. Yeah. Les résistants en France. For me, I see also that people make you wrong when you choose ease and joy in these times. Yeah, absolutely. Pour moi, je vois aussi beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui nous donnent tort aussi. Et quand on choisit justement et quand on est cette aisance, cette joie et cet espace, ils nous donnent tort pour ça. So. I mean, if I sit here, I could look at the light above my room and go, oh my God, that light really hurts me. It's really hurting my eyes. Je peux, par exemple, je peux regarder la lumière comme ça et dire, oh mon Dieu, ça m'éblouit, c'est trop de lumière. Oh là là, ça abîme mes yeux. Oh, ça me fait mal aux yeux. It's really annoying. C'est, oh là là, mon Dieu, ça m'ennuie. C'est vraiment dérangeant. Go away. Va-t'en, va-t'en. Attends. Doesn't work. It's still there. C'est toujours là. You have to work on your magic. Sorry. Va falloir que tu travailles sur ta magie, hein, parce que là, c'est pas terrible quand même. Or I can look in a different direction and choose a different topic to look at. Ou je peux juste choisir de regarder dans une autre direction et de choisir autre chose à regarder. I still got big green dots in front of my eyes, but I can. Yeah. I was smiling because Loris, when I was translating,
Watch the lighting. Wow. Ça me faisait rire parce que mon fils, pendant qu'il m'entend traduire, parce qu'il est dans la même pièce, et il faisait regarder la lumière. Il dit, ah ouais, ça fait mal. But this is what we do. We focus on the sadness and the unkindness and the around us. On porte attention sur la tristesse, sur la méchanceté qu'il y a partout autour de nous. But there's a lot of joy too. Mais il y a aussi de la joie. There is a lot of kind people out there. Mais il y a aussi plein de gens à l'extérieur. And there's lots of miracles happening all around us. Et il y a plein de miracles qui se passent autour de nous. If we're willing to see them. Quand on est prêt à les voir. But you only see them when you start to look for them. Mais tu ne les vois, tu ne commences à les voir que quand tu commences à les chercher, à les regarder. If you focus on evil, that's all you will see in the world. Ce sur quoi tu portes ton attention, c'est ce que tu vas voir. So, Josephine, put a comment. So, I say again. This is so simple and easy to be in that space. And thank you for this reminder. You're welcome. Bienvenue. And really, it is, but it's so simple, we don't do it. Mais vraiment, c'est simple. Mais c'est tellement simple qu'on ne le fait pas. Because we're looking for the formula and the hard way to do it so that we are doing something. Parce qu'on cherche la manière, comment faire, et la manière difficile de faire, comment faire. But it's not about doing. Mais c'est pas à propos de faire. It's about being. C'est à propos d'être cet espace. And that's when you're being that space. It's when it's with you 24/7. It's when you're being that space that is with you 24/7. 24 hours a day, 7 days a week. Oh, yeah, okay. Et when you're not, sorry, in French. Et quand vous êtes vraiment cet espace, ben vous l'êtes et vous pouvez l'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Yes, and it's really easy. You can go and be grumpy. Tu peux, c'est vraiment facile. Tu peux comme ça devenir ronchon, il y a un truc qui t'agace. And suddenly, okay, I choose something else. Et juste dire, OK, choisis autre chose. And in one second, you're back to this space. Et en une seconde, tu es de retour sur cet espace. C'est juste un peu d'entraînement. It's really easy. Easy to say it. It takes practice to be it. Ça demande un petit peu d'entraînement. Mais ouais, après, c'est vraiment facile d'être ça. I see Melanie. His head. Do you have a question? Non, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Because I saw some people. Martine, who doesn't know anything about the alchemy, so maybe she has a question. Martine, si tu as des questions, avec plaisir. Galaxy A50, I don't know. It's a different galaxy than the one we're in. Oh, I love that. Let's play. C'est un autre univers, peut-être. Une autre planète, galaxie. Oh, j'adore ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? No questions. Cool. Bon. We can have an early night. Bonne nuit. Bye. Super, on peut aller se coucher plus tôt. Salut, bonne nuit. Do you want to add something?
Lady. Oui, je peux. Bien sûr. Je voulais revenir un peu sur ce que disait Claudia tout à l'heure et qui rejoint aussi la remarque de Greg d'après. En fait, c'est vrai que quand tu commences à être à l'aise comme ça, les gens essayent de te donner tort, c'est ce que disait Claudia. Mmh. Et juste derrière, Greg lui disait, moi je regarde la lumière, je lui dis, va-t'en, elle s'en va pas. Mmh. Donc, pour moi, c'est ce que je fais. Quoi. Quand quelqu'un essaie de me donner tort dans mon aise, quand je suis à l'aise, hein, parce qu'il y a des jours où je ne le suis pas, je lui dis, t'as qu'à regarder ailleurs. Ou bien mettre des lunettes de soleil. So, laisse-moi traduire. So, oui. It just come back to what Claudia said about these people who make us wrong when we are this space, and you said you look at the light and it hurts, so you look in another way. And this is what he says to people. Okay, if it hurts you, look away, watch away, watch it another way. Absolute. C'est vraiment ça. Yep. Cool. So a lady who is not in the Zoom asked another question. And how can we contribute to all these changes, all of what is going on in this world? Be that space. Be that space. Sois cet espace. Really? By vraiment. Being the space of gratitude and peaceful calmness, it spreads, it grows, it catches on, people choose it. C'est vraiment ça, c'est soit cet espace, parce que quand tu es cet espace, cette joie, cette gratitude, cette bienveillance et cette gentillesse, les gens le sentent, ça grandit. Et les gens le perçoivent, les gens le ressentent, et ça affecte les gens. And you can affect people. Just by being that space. Et tu peux vraiment affecter les gens juste en étant cet espace. Simply by giving people a reason to smile in the day. Juste de donner une raison, une possibilité aux gens de sourire dans la journée. And really, this is how we change the world. You don't do it by fighting. C'est vraiment comme ça qu'on change le monde. C'est pas en se bagarrant. By being the happy virus. D'être le le virus de la joie, du bonheur. Yeah. Oh, really... We have to make t-shirts with that. Yeah. Il faut qu'on fasse des t-shirts avec ça. Four XL, please. Oh, you told me three. I know, I do, but every now and then, like a big baggy one. Okay, Lindsay, donc tu me fais du 4 XL pour moi, s'il te plaît. Ah bon? Je crois que c'est du 3 XL. Non, c'est du 4, okay. I will do it. Cool. Je vais le faire. So have a wonderful evening, everybody. Okay, passez une super soirée. Thank you for coming on the Zoom. Merci de nous avoir rejoints sur ce Zoom. And we'll see you on the next ones. We have one with Ernst and Renata Friday? No. Yes. Yeah, Friday. Il y a un Zoom. Il y a un Zoom. Il y a un prochain Zoom alors qui sera en allemand et en anglais avec Ernst et Renate. Vendredi soir, 19h ou 20h, je ne sais plus. 20h. 80. 8 o'clock. Yeah, 8 o'clock, yes. Mm-hmm. À 20h. So, yeah, if you want to join in, and then Melanie and Claudia are doing one sometime soon too. And... Et avec Melanie et Claudia, il y en a un autre qui est le 21 octobre, 21st of October. Qui est en anglais et en allemand aussi, à propos de l'alchimie de poser les questions.
Si vous le voulez en français, dites-moi. If they want that in French, just tell me, so we can do that. Yeah. That, et qu'on puisse planifier ça. Donc, thank Greg, Sophie, everyone. Thank you both. Gratitude. Have a good night. Thank you. Have a good night. Have a good night. Cool. We will. See you later. I'll post the recording. Je... Hey, good night. Bye. Good night. Bonne nuit. Bon marié. See you later.